ça aurait été bien d'aller en Caire, mais après, je me suis dit, avec tous les blessés qu'on a, peut-être qu'aller directement en demi, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal parce qu'on a besoin de récupérer. Et on a besoin de récupérer des joueurs et puis aussi de récupérer un peu physiquement parce qu'on n'a pas beaucoup fait tourner. Donc c'est peut-être pas mal. Et puis voilà, là on sait qu'on a le temps de préparer ce déplacement. On a 15 jours devant nous. Et puis je me suis dit que ce week-end devant la télé, ça sera quand même plus sympa que sur les 4 au stade. Je suis pas trop fan des bains de mer, on va dire gelés. En plus, faut pas trop que j'aille trop loin parce que je sais pas trop bien nager. Donc, tu vois, un mauvais courant, c'est terminé. Et ce serait con quand même. Trois titres de champion d'Europe consécutifs, ça ressemble à quoi quand tu ramènes le trophée ici, là, sur la rade? C'est du jamais vu. Moi, j'ai tout connu. C'est-à-dire, j'ai connu les deux extrêmes. 98, on est champion de France avec le Stade français. Le soir, c'est moi qui ai ramené le bouclier chez moi. Je dois l'amener à 18h parce qu'on a une cérémonie au Lido. Je prends le bouclier de chez moi. Et dans l'ascenseur, je suis avec la concierge de l'établissement, une jeune dame, qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est merveilleux, quoi. » Je dis, vous savez, on a gagné ça hier au rugby, au Stade de France. Et je me disais, mais si j'étais à Gaillac, je ne parlais même pas de Toulon à l'époque. Il n'y a personne qui aurait posé cette question. C'est pas possible. Et il faut que tu nous parles de Gaillac. Et voilà. On est champion. Mais on fera avec. Moi, ça ne veut pas rien de conséquence aussi. Moi, ça ne veut pas rien de conséquence. C'est mieux d'avoir un champion. Hein. C'est une motivation supplémentaire. Hein. Moi, je suis très content de l'avoir dans la poule. Hein. Très content. Hein. Ça va être un grand match.